Bienvenue, c'est Mohamed Boulabjellil. Merci, c'est Rachid. D'avoir répondu et merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce débat en marge de cette 11e édition de Logismed 2024 à Casablanca. Avec plaisir. Et je rappelle, parce que c'est important, c'est voire prioritaire, que vous êtes ministre, vous rappelez en tout cas, vous êtes ministre en charge du transport et de la logistique. C'est exactement cela. On va parler transport, on va parler logistique, mais peut-être profiter de votre présence pour parler politique. Puisque depuis la semaine dernière, le chef de gouvernement a fait une première sortie pour présenter le bilan à mi-mandat. Oui. Est-ce que déjà, dans un premier temps, vous êtes solidaire de ce bilan qui a été présenté par le chef de Bien gouvernement? entendu, bien entendu. Dans le cadre de la solidarité gouvernementale, j'en suis solidaire, mais je suis fier d'un certain nombre de réalisations que nous avons pu faire dans le secteur du transport et de la logistique. Je pourrais citer la réouverture du ciel et du transport maritime post-Covid. Je pourrais citer la réactivité du gouvernement pour faire face à la crise du pétrole qui était directement liée à la crise de l'Ukraine et qui a permis de permettre la continuité de l'approvisionnement, qui a permis de continuer à assurer les transports publics des citoyens marocains dans les mêmes conditions de prix. Et voilà, donc ce sont Mais ça, c'est des le belles bilan de votre, informations. ça, c'est le bilan de votre département ministériel ou c'est aussi le bilan de l'équipe Un travail gouvernementale? d'équipe, Parce un travail que d'équipe, je peux vous Isaac assurer Rouch n'a que pas c'est un insisté là-dessus, il a insisté beaucoup plus sur l'avancement de l'État social, sur le déploiement de l'AMO. Sur 1h30 de discours, il y a eu, je m'en souviens, j'étais au Parlement, il a fait un clin d'œil appuyé au sujet du transport. Mais bien entendu, ce gouvernement est venu avec un programme social très fort. Donc il est évident, enfin il est normal, je dirais, que le chef de gouvernement, en tant que chef de cette équipe, insiste sur les grands axes stratégiques de son programme, du programme de ce En tout gouvernement. cas, ce bilan à mi-mandat, il l'a qualifié de réaliste, de sérieux, et qui dépasse toutes les attentes. Fin de citation. Est-ce que c'est là aussi des termes employés que vous partagez, si vous voulez agiler? Vous savez, après, l'appréciation et la qualification, sont des choses. Il est naturel que le chef d'un gouvernement soit satisfait de ses réalisations. Il est également naturel, et il l'a dit, qu'il soit aussi conscient de tous les défis à venir. Et donc, c'est Arnouch a fait son travail, chef de gouvernement. Il a dit, nous avons bien travaillé pendant 2 années et demie, et nous avons encore 2 années et demie devant nous, sur lesquelles nous avons de beaux défis à réaliser. Et ceux qui se sont montrés critiques sur le bilan économique et social du gouvernement, sur le fait que la croissance n'est pas au rendez-vous, sur le fait qu'il y a eu ce taux de chômage record qui a été atteint, 13,7% C'est de... un véritable sujet. Le problème de l'emploi est un véritable sujet. Je pense qu'il va concentrer les efforts du gouvernement pendant cette deuxième partie de mandat. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le chef de gouvernement, disait que la deuxième partie de mandat, la priorité serait donnée à l'emploi. Ah, l'emploi, c'est une Est-ce que, quand on dit 13,7% de taux de chômage, eh bien, c'est au niveau national, est-ce que le secteur du transport, de la logistique, a aussi détruit des emplois? Parce que quand on voit les différentes cases et catégories du HCP, on ne rentre pas dans ce niveau de détail. Je n'ai pas connaissance de cela, donc je préférerais rester muet sur le sujet, sachant que c'est le HCP qui est l'outil dont nous disposons pour pouvoir évaluer ces éléments-là. Mais nous n'avons pas, à ma connaissance, de destruction d'entreprise. Donc, c'est ça, par contre, je peux l'affirmer. Les principales entreprises qui n'ont pas survécu au choc, la seule que j'ai en tête, c'est celle du transport maritime dans le Détroit. Voilà. Donc, globalement, vous dites qu'aujourd'hui, l'aggravation du chômage dans notre pays, au niveau national, n'a pas impacté le secteur des transports et les entreprises de transport. C'est Rachid, je n'ai pas les chiffres, donc je ne veux pas vous dire, je n'ai pas l'analyse, donc je ne peux pas répondre. Très bien, on va. Je ne sais pas. Dernière question un petit peu politique, c'est Mohamed Boulabjellil sur le. D'ailleurs, le chef de gouvernement s'est exprimé devant nos confrères de la télévision pour la première fois sur un éventuel remaniement ministériel. Est-ce que vous, là-dessus, vous avez quelque chose à dire, Non, un je n'ai avis? pas de commentaire C'est la première fois qu'il s'exprime particulier. là-dessus, le chef de Non, non, gouvernement. je n'ai pas de commentaire. Ce n'est pas la première fois que cela a été, comment dire, énoncé. Ça fait partie des moments possibles dans la vie d'un gouvernement. Pas de commentaire particulier sur le sujet. Non?
Non. Vous en parlez entre vous, vous en parlez pas entre vous. Bien sûr qu'on en parle entre nous, mais on en parle pour nous amuser plutôt qu'autre chose. Ah, oh, c'est pas parce que ce sont des choses qui sont. Je veux dire, c'est un processus connu. Les partis de la majorité peuvent s'entendre pour proposer un remaniement ministériel à Sa Majesté, qui ensuite donne son accord pour le changement ou non du gouvernement. En tout cas, vous, ça vous dérange pas, vous continuez à travailler. Je continuerai à travailler jusqu'au bout. J'espère être à la hauteur de la confiance de Sa Majesté, qui a bien voulu que je fasse partie de ce gouvernement. Et vous avez aussi l'envie d'aller jusqu'au bout de du mandat 2026, ou vous dites, voilà, c'est peu importe, enfin, s'il y a une décision qui est prise, quelle qu'elle soit, je m'y plierai entre guillemets ou pas? Je pense que l'intelligence veut que l'on accepte les deux possibilités. Et c'est ce que j'essaie de faire. Donc vous êtes dans l'acceptation? Oui, je suis dans l'acceptation et regarder le bon côté de chaque chose. On passe au secteur. Oui. Donc après le bilan gouvernemental, le bilan de Simon Abdelabjilé à la tête du département du transport et de la logistique depuis 31 mois bientôt. Je suis pas très bon en maths, mais je pense que ça fait bientôt 31 mois. Votre bilan. Est-ce que il y a beaucoup d'attentes sur le secteur? Bilan, comme je vous l'ai dit en aparté, sortie de crise Covid réussie sur le transport aérien et sur le transport maritime. Sur le transport aérien, donc contribution importante à la reprise du secteur du tourisme, qui, comme vous le savez, est un grand secteur pourvoyeur d'emploi. Donc c'est un grand sujet, puisque vous parliez tout à l'heure des destructions d'emplois. Dans le tourisme, je pense qu'il en a été créé, je n'ai pas les chiffres en tête. Bonne réactivité dans le cadre d'un travail de l'équipe gouvernementale pour faire face à la hausse des prix des hydrocarbures qui ont impacté les entreprises de transport. C'est-à-dire, vous faites référence, c'est Mme Lagilleux, à l'effort budgétaire consenti par l'État? Absolument. Via les aides directes? Elles sont toujours d'actualité, les aides directes? La dernière est en cours de versement, et puis nous évaluons à chaque fois la nécessité ou non d'en donner une nouvelle. Donc en tout cas, pour l'instant, c'est un processus, j'ai envie de dire, qui se poursuit. Oui, tant que le gouvernement le décide. C'est pas un processus récurrent, c'est une décision après évaluation de la situation à chaque fois. Donc on évalue, on continue la situation. Parce que là, on est autour de 6 milliards de dirhams qui ont été distribués. À 8 milliards. À 8. 8 milliards de dirhams, c'est énorme, non? Depuis 2 ans et demi, 3 ans? C'est énorme en valeur absolue, oui. Rapporté au nombre d'entreprises qui ont été soutenues, non, parce qu'on est en train de parler de plus de 200 000 entreprises. Parce que je me dis 8 milliards de dirhams de subventions qui ont été attribuées aux professionnels pour faire face à la flambée des prix des hydrocarbures. Si ma mémoire est bonne et si j'ai bien fait mon travail pour préparer cette émission de débat avec vous, monsieur le ministre, le budget du ministère que vous dirigez depuis 31 mois, il est de un peu moins de 11 milliards de dirhams. Même pas, non. Non, je veux dire juste pour. Comparaison n'est pas raison, mais peut-être vous entendre là-dessus. Non, sur les 8 milliards de dirhams de l'eau. Cet effort n'est pas fait sur le budget du ministère. C'est un effort particulier, fait dans le cadre d'une conjoncture particulière. Et pour expliquer de manière très simple, dans le secteur du transport public de voyageurs, les prix sont fixes. Et il y a eu libéralisation des prix des hydrocarbures. Donc pour garder le même prix public de transport de voyageurs, il faut soutenir celui qui le produit lorsque le prix de l'hydrocarbure monte, puisqu'il représente 30 à 40% de son coût. Et dans la partie transport de marchandises, l'entreprise marocaine de transport de marchandises, en général, est une très petite entreprise, oui, ayant 1, 2, voire 3 camions. C'est la majorité, en fait, du parc. La grande majorité. Ouais. Et donc, elle n'est pas capable de faire face à une hausse très rapide du prix des hydrocarbures, parce qu'elle ne peut pas impacter ses prix à la vitesse à laquelle le prix des hydrocarbures monte. Et donc, si on ne l'accompagne pas, elle risque d'arrêter son activité. Si elle arrête son activité, problème d'approvisionnement des marchés, répercussions, tension pour le consommateur, grosse inflation. Et je voudrais juste faire un petit point là. Oui. On pointe souvent du doigt le transport comme un inflateur des prix à la consommation. Je voudrais simplement saisir l'occasion pour dire que le prix des tomates, lorsqu'il était à 13 dirhams, le prix du transport était à
un prix donné, oui. que lorsque la tomate est descendue autour de 3 dirhams, c'était le même prix de transport. Donc c'est pas le transport donc, là, qui est influé ou qui est influencé. Très très faible sur les prix des produits. Juste une dernière. D'ailleurs à l'international, oui. comme Jacques Saadé, son fils Rodolphe Saadé sur Le Monde, dit que le transport maritime international dans la chaîne globale ne dépasse pas, toute la logistique ne dépasse pas 3 à 4% des prix des produits. Le fait que ça fait pratiquement 3 ans que les transporteurs bénéficient d'argent public, donc de subventions, pour faire face aux fluctuations des prix des hydrocarbures, toujours pas d'évaluation de réaliser, est-ce que c'est logique ou pas? Il y a des instruments pour faire les évaluations des politiques publiques. Il existe des instruments institutionnels, constitutionnels. La Cour des comptes peut tout à fait se saisir du dossier si elle le souhaite et venir évaluer cette décision de politique publique. Sur la manière dont ça a été réalisé, l'IGF pourra le faire. Nous, en tant que ministère, nous pouvons le faire pour pouvoir évaluer la qualité de ce qui a été réalisé pour l'améliorer dans le futur. Ah, aujourd'hui, nous n'avons pas encore décidé de le réaliser, mais nous sommes tout à fait ouverts à ce qu'un audit soit fait. Donc c'est possible que ce soit fait dans les prochains jours, prochaines semaines. Je n'ai pas de données sur quand ce sera fait, mais ce sera certainement fait à un moment donné. En tout cas, on a vu le prix des carburants qui ont baissé, et au même titre que l'inflation. Oui. Est-ce que le niveau de subvention va lui suivre aussi également baisser ou pas? Et donc un réajustement qui va être fait. Deux manières de faire bouger la subvention. Ou bien en changeant le montant, ou bien en espaçant les versements. Les versements. Voilà, on a choisi la deuxième. C'est-à-dire en espaçant les versements. C'est ce qui a été ça fait. Se fait plus de manière, c'est plus de manière c'est, mensuelle. Ça n'a jamais. Le gouvernement n'a jamais déclaré que ce serait sur une base mensuelle. Ça se faisait quoi, de manière trimestrielle, parce qu'on n'avait pas ça se faisait de manière. Ça se faisait de manière. C'est une formule magique. C'est comme la formule du Coca-Cola. C'est-à-dire. On la garde pour nous. C'est top secret, c'est ça? Non, en fait, on évalue les niveaux de prix des hydrocarbures et on estime à quel moment on doit faire une aide, tout simplement. Et la loi, parce que d'ailleurs, je me souviens, on en avait débattu l'an dernier, à la même époque, dans le cadre de ce salon international de la logistique et du transport, sur ce projet de loi sur l'indexation du transport au prix du carburant. Alors, est-ce que c'est toujours à l'état de... Je pense que c'est un projet qui est important. Il existe dans beaucoup de pays, proches du Maroc, qui ont libéralisé leurs hydrocarbures. C'est un instrument de régulation qui rééquilibre le pouvoir de négociation entre transporteurs et donneurs d'ordre. C'est un projet de loi qui est dans les circuits. Je ne sais pas dire quand il sera Est-ce qu'il peut présenté. Voir le jour ou pas? Parce que ça fait à peu près un an et demi qu'il est dans les circuits. Ben, le circuit législatif... Je pense que d'autres projets de loi étaient plus urgents. Vous parliez tout à l'heure de l'état social. Et bon, il faut avouer que la production législative Non, parce que je me dis, si cette loi avait été promulguée, peut-être que l'État aurait pu faire des économies sur les subventions qu'il attribue c'est possible. Aux entreprises de transport. Donc c'est aujourd'hui, on a vu, c'est possible. L'État, les finances publiques sont sous tension, oui, moi, sont en tension. Je pense que ce projet de loi gagnerait à être promulgué le plus rapidement possible pour pouvoir créer cet instrument de régulation et peut-être pouvoir, pour une partie de certains transports, ne plus les soutenir de manière exceptionnelle, comme ça a été fait maintenant dans la durée. Sur la réforme du secteur du transport. Quel transport? Transport, hein, le transport routier, la mobilité, il y a beaucoup de questions qui se posent. Vous savez, il y a beaucoup de nos concitoyens qui disent, voilà, on va accueillir la Cannes en 2025, la Coupe du Monde en 2030. Comment on va faire pour accueillir des millions de personnes, comment on va faire pour assurer la mobilité en matière de qualité et de sécurité. On a toujours un parc aujourd'hui de transport de marchandises qui est extrêmement nombreux, majoritaire, qui pollue d'ailleurs aussi, qui est responsable, je crois, de 15% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ouais, donc problématique de mobilité, de circulation et en même temps d'enjeux écologiques. Alors, le sujet de la mobilité, c'est un sujet complexe et transverse. Il est multidépartemental, juste pour illustrer mon propos, le ministère du Transport n'a pas la tutelle du transport en zone urbaine. La responsabilité du transport en zone urbaine revient aux collectivités territoriales qui sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. C'est un travail aussi d'équipe qui doit être fait entre les différents départements concernés. Nous avons, nous aujourd'hui, lancé une initiative et nous souhaitons recruter un cabinet pour nous assister dans cette initiative qui est celui de
la réflexion sur une charte nationale de la mobilité qui permettrait d'aligner les différents intervenants sur le futur de la mobilité dans notre pays. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons réaliser dans les quelques mois à venir. Nous devrions être possibles. Et d'ailleurs, je voudrais juste dire qu'on veut le faire dans un cadre de concertation globale, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir une approche top-down, mais plutôt une approche bottom-up, où on ira dans les régions et discuter avec toutes les parties prenantes au besoin de mobilité. Ça prend du temps, mais ces consultations politiques sont très intéressantes, parce que c'est grâce à cela qu'on peut sortir avec une vision partagée, ou en tout cas acceptée par le plus grand nombre. Est-ce que vous avez besoin d'être assisté par un cabinet pour cela, parce que certains, vous avez vu toutes les critiques qui sont abattues sur le fait que le chef de gouvernement aurait la velléité de se faire assister par un cabinet conseil sur la question sur l'emploi. Ça fait dire, il y a suffisamment de matières grises dans les il y a des positions diverses et variées sur le sujet. Lorsque nous ne sommes pas beaucoup d'études dans le département en externe. Mais lorsque nous évaluons que la contribution d'un cabinet qui va pouvoir benchmarker des démarches similaires dans d'autres pays va nous permettre d'aller plus vite, nous ne faisons pas l'économie de cet investissement. Donc vous dites, en fait, c'est un appui nécessaire. C'est un investissement, à mon sens, rentable. Rentable ? Rentable, oui, puisqu'on gagne du temps. Mais il n'y a pas un retour sur investissement purement financier. C'est de l'argent. Ben oui. En tout cas, c'est donc charte qui va être lancée dans les prochains jours, les prochaines semaines. L'étude est on n'a pas encore choisi le bureau qui va nous accompagner, mais on devrait le choisir dans les quelques semaines qui viennent. Mmh. Et on démarra immédiatement. Et sur les grands chantiers de transformation aussi, hein, en termes de mobilité, il y a ce fameux TGV, vous en avez parlé à plusieurs reprises, estimé à 75 milliards de dirhams pour relier... 57 pour arriver à Marrakech. Pour arriver à Marrakech et pour arriver à Agadir, il faut en rajouter encore combien ? Encore 50. Donc on est à 107. Y compris le transport régional, le RER. Et toi, 107. Oui. On a les sous ? On a les sous immédiatement, non, mais on est capable de structurer le financement. C'est-à-dire le structurer en mobilisant le budget, vous savez, c'est toujours pareil. Ces sujets-là, ce sont des sujets de rentabilité économique, socio-économique, et non pas de rentabilité financière. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le ferroviaire revient au cœur de la mobilité, du fait de sa durabilité, de sa non-pollution, de son électrification avec de l'électricité verte. Et donc, les financements verts, les financements durables sont disponibles. Et ce sont des projets qui peuvent, recourir à ces nouveaux financements auxquels les autres projets qui n'ont pas la même qualité de durabilité ne recourent pas. C'est-à-dire, il y a du financement vert disponible pour le ferroviaire et pas forcément pour le routier, pour le terrestre. C'est ça que vous êtes en train de dire ? Clairement. Est-ce que ça veut dire que la priorité va être donnée beaucoup plus au ferroviaire dans les prochaines années à votre niveau et au niveau de responsabilité plutôt que le terrestre ? Je ne crois pas que le routier ait moins d'avenir que le ferroviaire. Je crois que ce sont deux secteurs ou deux types de transport qui se complètent l'un l'autre. Et lorsqu'on a plus de fer, eh bien le routier joue un autre rôle que lorsque le routier fait la massification que le rail pourrait faire. Donc moi, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il y a encore un avenir tout à fait prometteur pour le transport routier de marchandises et de passagers, et également qu'il y a beaucoup à faire pour pouvoir optimiser, c'est le sujet de la logistique aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on améliore le taux d'utilisation de ce parc, parce que c'est la première manière de réduire les émissions de CO2. Si vous n'avez pas de retour à vide d'un camion, ça veut dire que pour transporter la marchandise, vous avez consommé deux fois moins de CO2 au kilo. Vous confirmez ou pas, c'est Mme Blagilet, le transport routier, premier émetteur de CO2 et de gaz à effet de serre dans notre pays. Comme dans tous les pays du monde. Et qui est responsable chez nous autour de 15% de la... Non, c'est un grand consommateur d'énergie. La part de combustible, en fait, grand consommateur diffusée. D'énergie, je crois 34% d'énergie, un peu moins de 30% de consommation, de CO2. Oui. Et là-dessus, c'est les données qui sont structurelles, qui sont importantes. Alors nous avons le ministère du Transport, notamment, a beaucoup travaillé sur ces sujets de mesure.
Et donc, dans le cadre de la coopération avec l'Allemagne, nous avons aujourd'hui un outil de mesure qui nous permet de déterminer quelles sont nos émissions de CO2 dans le cadre du secteur du transport. Et c'est ce qui permet aussi, une fois qu'on sait mesurer nos émissions, de pouvoir les enlever. Ça s'appelle un système MRV. Les enlever comment, c'est-à-dire les faire supporter les enlever comment? Ben écoutez, parce que la décarbonation, c'est lorsque vous mesurez, oui. Décarboner, il y a plusieurs manières de décarboner. Décarboner en consommant moins, c'est la première manière, la première bonne manière de décarboner. Vous prenez une voiture, vous y mettez Monsieur Rachid tout seul, et vous prenez cette même voiture et vous mettez deux autres personnes supplémentaires, et bien au kilomètre parcouru par citoyen, cette voiture consomme un tiers de CO2 par déplacement par rapport à l'autre. Donc il faut mutualiser. Mutualiser, ça veut dire, par exemple, pour le transport de personnes, encourager le transport collectif, qu'il soit ferré ou même routier. Ensuite, bien entendu, les technologies avancent et les véhicules seront de moins en moins polluants. D'ailleurs, un autocar d'aujourd'hui consomme au 100 km peut-être 50% de moins qu'un autocar d'il y a 30 ans. Donc, toutes ces évolutions technologiques vont réduire les émissions de CO2. Plus on massifie, plus on réduit les émissions de CO2. Et ensuite, les nouvelles technologies, l'électrification, l'hydrogène vert, demain le méthanol vert, l'ammoniac, tout ça, ben, le Maroc doit accompagner avancer la question de la décarbonation. Est-ce que c'est aussi faire supporter aux camionneurs et aux transports routiers, d'un transport essentiellement de marchandises qui est dominant chez nous, une contribution financière, c'est-à-dire aussi pollueur-payeur au niveau du transport, terrestre ou pas? C'est jamais les transporteurs qui vont le supporter, c'est vous et moi. Puisque un transporteur doit faire son équilibre économique. Et donc c'est le citoyen. Donc est-ce que les citoyens veulent aujourd'hui œuvrer pour réduire leurs propres émissions de CO2 pour que la planète qu'ils vont laisser pour leurs enfants et petits-enfants soit plus vivable que s'ils ne faisaient rien? C'est la question qui est posée à tous les citoyens. Ce qui est dissuasif a priori à travers le monde d'ailleurs, c'est le fait de passer à la caisse et de payer. De payer. Ah oui, bien sûr, mais de toute façon... on n'y échappera pas. Les taxes carbone vont commencer à se mettre en place. Il va falloir qu'on améliore notre logistique pour pouvoir rester compétitif à l'échelle internationale. Et tout ça, effectivement, est en cours. Et le Maroc est en marche et le Maroc est en avance parce que grâce à la vision éclairée de Sa Majesté, on fait partie des premiers pays qui se sont lancés dans la course aux énergies renouvelables. Dernière question, c'est Mohamed Ben Abdelil. La Coupe du Monde 2030, c'est demain. On a vu qu'il y a une grande réunion qui s'est déroulée il y a quelques jours à Rabat. Est-ce que, selon vous, au niveau transport, au niveau mobilité, on sera prêt? La réponse est oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est une réponse de principe? Non, le Maroc a toujours été prêt quand il s'est agi d'organiser des événements internationaux et il en sera de même. Et je n'ai franchement pas d'inquiétude sur la capacité du Maroc à être prêt au niveau des transports. C'est-à-dire, on aura ce grand rendez-vous. Des routes, des autoroutes qui seront en très bon état. On aura un axe ferroviaire aussi qui sera en excellent état. Vous savez, il y a l'infra. Et nous réaliserons ce qu'il faut en termes d'infra. Et il y a les services. Et nous améliorerons et nous adapterons les services également pour être au rendez-vous de ce grand événement international. Merci beaucoup à vous, c'est Mohamed Ben Abdelil, je rappelle, ministre en charge du transport et de la logistique, pour ce débat à l'Info en face matin TV en marge de la 11e édition du Logismed 2024. Merci Serge. Merci à vous et à très bientôt.